et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors, on attaque la seconde moitié d'octobre. Donc, je vous fais un petit recap de ce qui est prévu pour cette semaine. On devrait faire la dernière planche de Ghibli, à savoir Mononoke Ehime. Comme ça, j'en aurai fini avec tous les trucs de Ghibli. On devrait faire l'illustration, en espérant que tout va bien se passer. Et a priori, j'aurais fini tout ce qui est dessin pour des nouveaux produits, en tout cas, ce que j'avais prévu à la base. Après, si je peux faire d'autres choses, c'est bien, mais je vais déjà faire ça. Et on aura quand même, du coup, 5 planches de stickers et une illustration, ce que je trouve déjà bien. Ensuite, on va aussi faire les tote bags. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point j'aurai le temps d'avancer ça cette semaine, mais a priori, je devrais au moins commencer. Donc je vais faire les designs de Ghibli et les designs de Zelda, on verra ce que ça donne. Et surtout, le gros truc méga fun de cette semaine, c'est que je devrais recevoir les badges. Alors ça, j'ai trop hâte. Je suis contente que pour une fois, on puisse les recevoir à temps pour que je les ouvre dans le studio vlog, avant la mise à jour de la boutique. Donc voilà, si ça s'est mal passé, que c'est tout moche et que c'est tout raté, bah, comme je le disais la dernière fois, vous pourrez me consoler dans les commentaires. Mais si tout va bien, il va falloir s'occuper de ça également, il va falloir faire la mise en pli des produits et que je réfléchisse déjà à comment je vais les envoyer parce que ça va encore être une autre histoire. Mais bon, la logistique, ça va, on a encore le temps, il reste encore 15 jours avant la mise à jour, donc ça va, on peut vous voir venir un petit peu. En tout cas, je suis assez impatiente d'entamer cette semaine parce que bah, du coup, ça va être assez varié. Hein. Il va y avoir du dessin, il va y avoir des badges, il va y avoir des tote bags. Ça, c'est plutôt très cool. Et bien voilà, j'espère que ce programme vous a donné l'eau à la bouche et que vous allez passer un bon moment. C'est parti pour la seconde moitié d'octobre. Love, can it? No, it mustn't be.
you could. Would it be inconvenient? Terribly. Anyway, I know it isn't. Oh, my God. Right into our hearts. Yeah, music. Yeah, it does, doesn't it? Tracy, you're so good. My instincts are melting away. What is it? Have I got feet of clay or something? Tracy. It's not part of the pool. It's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely, no? Tracy, you're tremendous. Put me in your pocket. Yourself knowing more. Lost and looking for your soul. Back and forwards, you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. Ta-da! Bon, bah, je suis très contente du résultat. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, c'est pas mal du tout. Et en fait... Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait la première version, qui était déjà pas mal, je vous avais dit que j'aimais pas trop sur les couleurs sombres. La trame du tissu ressortait beaucoup. Et en fait, là, c'est pas le cas. Là, c'est beaucoup mieux. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que c'est le même lot de sacs. Donc, a priori, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Mais en fait, j'ai compris d'où ça venait. Il y a plusieurs sacs. En fait, à part ces deux-là, je les avais lavés. Parce que ça rétrécit au lavage. Du coup, je m'étais dit, bon, je les lave tout de suite, comme ça, c'est quelque chose qui ne posera pas problème au cas où un jour les gens ont besoin de les laver. Sauf que c'était pas une très bonne idée, parce qu'en fait, le tissu, même repassé, il n'est jamais redevenu aussi nickel que là. Vous voyez, là, c'est parfaitement lisse, il n'y a pas de souci, à part sur les coutures. Et du coup, je pense que comme la surface, elle n'était plus aussi lisse, bah, ça a accroché, enfin, le relief, ça a fait que le tissu, le papier transfert ne marquait pas aussi bien. Donc je pense que c'était pour ça. Mais là, c'est vraiment nettement mieux. Et du coup, je suis vraiment très contente du résultat. Je pense qu'avec les badges, ça va grave le faire. Voilà le croquis préparatoire pour la planche de Mononoke Aimée. Donc ça, c'est l'épée que j'ai déjà mis sur les tote bags. Du coup, je vais la récupérer et je vais la recaser. Par contre, après, je vais dessiner le reste. Donc là, on a Ashitaka. J'étais partie pour faire juste sa tenue, mais je me suis dit que c'était quand même mieux si je le mettais à l'intérieur, donc voilà. J'ai pas refait le masque de Mononoke puisqu'il est déjà sur une des planches de stickers. J'ai fait le dieu cerf, ça c'est la petite dague en cristal de San, ça c'est ses armes, ça c'est l'espèce de sacoche ou de bourse ou je sais pas trop que Ashitaka il a avec lui, ça c'est son arme. Et là évidemment deux petits Kodama. Allez, c'est parti pour la planche de Mononoke.
Mais qu'est-ce que ceci? Ne serait-ce pas mes badges? Bon, alors, je vais ouvrir la boîte et je vais vous mettre quelque part pour qu'on puisse découvrir ça ensemble. Bon, je ne voulais pas dire, mais on dirait pas qu'il y en a 100. Hein. Mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. Alors. Voilà, il y a les 10. Bah, franchement, ça a l'air vraiment... Oh, c'est trop mignon! Donc là, c'est le petit renard. C'était celui que j'avais l'intention de faire au début. Le cristal. Le champignon. Après Zelda, on a la petite fée dans sa bouteille. Évidemment, le symbole de Zelda. Alors, la petite fée dans la bouteille et le symbole de Zelda, c'est des motifs qui sont propres à tous les Zelda. Mais histoire de marquer le coup quand même pour le dernier, pour Breath of the Wild, j'ai fait aussi le symbole d'échec. Et enfin Ghibli. Alors, on a... Celui-ci, je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Parce qu'il a un côté très graphique avec ses petites boules noires là sur le fond blanc. Donc ça, évidemment, ce sont les boules de suie. Un petit Totoro parce que, bon, bah, obligé, hein. Un petit Kodama. Et le plus chou de tous les personnages de Ghibli, Calcifer. Bon, je vais vous refaire un petit zoom de tout ça, mais je suis vraiment contente. Ça rend vraiment très très mignon. Ce petit côté tout petit, tout chou là. La seule chose que je remarque, c'est que ça a peut-être imprimé un tout petit peu plus clair que ce que j'avais moi sur mon écran, mais c'est pas dérangeant, donc pas de souci. Là, normalement, par exemple, le fond il est noir, alors que là il est plutôt gris. Mais ça dérange pas. Franchement, j'en reviens pas comment c'est trop mignon. J'avais peur que ce soit un peu petit. Mais finalement, comme ils sont par lot, ça marche vraiment, vraiment bien ensemble. C'est plus mignon que si j'avais fait un seul gros truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'était un bon achat. Et j'espère que ça vous plaît. Et j'espère que ça va avoir du succès. Je pense qu'avec les tote bags, ça va grave le faire. Voilà le stock final, donc j'ai recompté, il y en a bien 10 exemplaires de chaque, donc il y aura 10 exemplaires de chaque set. Je pense que pour commencer, ce sera déjà bien. Éventuellement, si ça a du succès, je ferai d'autres designs. Par exemple, j'aimerais bien faire soit des variantes de packs, parce que Ghibli, par exemple, c'est pas les idées qui manquent. Zelda aussi, on peut faire vraiment beaucoup de trucs. Éventuellement, j'aimerais bien faire, pour ce qui est design perso, des petites têtes de tigre ou des petites choses comme ça. J'aimerais bien en faire, pourquoi pas, de Sailor Moon, mais ça, je vais voir avec les tote bags. Si les tote bags, ça marche bien, je ferai une variante Sailor Moon et je ferai les patchs qui vont avec. Et si ça marche pas, bon, bah, je laisse tomber l'idée. La bonne surprise, c'est que les badges, en fait, vous voyez, l'épingle, elle s'inclut dans l'épaisseur, ce qui fait qu'ils sont vraiment très fins. Ce sera beaucoup plus facile à envoyer que ce que j'imaginais. Il y aura quand même des petites pochettes bulles, de toute façon, je les ai commandées et je dois les recevoir là incessamment sous peu, donc autant s'en servir, mais... C'est une bonne surprise parce que moi j'en ai des badges, hein, comme tout le monde je pense, mais l'épingle ressort beaucoup, alors que là, pas du tout, c'est vraiment très plat. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, la réflexion ça va être comment je vais les accrocher. Donc il faudrait qu'il y ait un support, vous voyez, genre un truc comme ça, et que les badges après ils soient posés tac, tac, tac.
et là éventuellement le titre. Faudrait que je fasse un design et que j'imprime, mais ça me contrarie un petit peu parce que ça va m'obliger à gaspiller de l'encre et du papier, alors que je voudrais mettre le prix le plus bas possible. Vous voyez, vraiment le minimum pour que ce soit rentable, que ça ne me coûte pas d'argent, sachant que j'inclus les frais de port, enfin une partie, pas tout, mais une partie des frais de port sur le prix. Et si je suis obligée de réimprimer, ça va me gaspiller de l'encre et du papier, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais d'un autre côté, faire juste un fond blanc, c'est pas terrible non plus, donc je sais pas trop. Je sais que j'ai vraiment beaucoup de papier de scrapbooking que j'achète chez Action, et souvent j'en fais rien du tout, puisqu'en fait j'achète les feuilles parce que j'aime les motifs, je les scanne parce que ça peut toujours être utile, et j'aime bien après m'en servir comme modèle, par exemple pour faire des motifs sur des vêtements ou quoi, mais le papier en lui-même, j'en fais souvent pas grand-chose. Du coup, je me dis que ça pourrait être une bonne occasion de les utiliser. Surtout que j'en ai sur plein de thèmes différents. J'en ai avec des paillettes dessus, des foils et tout. Donc, ça pourrait être vraiment très joli. À réfléchir. Nous sommes le dimanche 18 et je fais un petit checkpoint avant la fin du vlog, puisqu'il reste encore quelques jours à filmer là. Mais je voudrais qu'on fasse le point sur où on en est. Et vu qu'il y a pas mal de trucs à raconter, je préfère qu'on le fasse face cam parce que c'est beaucoup plus sympa. Alors, les planches de stickers, ça sont toutes finies, donc y compris Mononoke que j'ai rajouté. Du coup, je suis assez contente de ça. On a l'hiver, on a Noël, on a Ponyo, le château ambulant et Mononoke. Donc là, on a fini avec tout ce qui était Ghibli et on a fini avec les planches de stickers saison, thématique et tout et tout. Je ne sais pas ce que je veux faire d'ici la fin de l'année, mais enfin, en tout cas, tout ça, c'est fait et je suis assez contente que ce soit fait. Il reste l'illustration. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme parce que les illustrations, c'est ce qui est le plus fastidieux, c'est ce qui demande le plus de temps et c'est ce que je vends le moins. Concrètement, en fait, c'est ce qui est le moins rentable quand on considère le temps, l'énergie, les ressources que ça prend aussi, parce que le papier aquarelle, la peinture et tout ça, ça coûte le plus cher, et ce qui reste au final, ce que ça rapporte. Vous voyez, c'est pas... on va dire que c'est pas le mieux à faire, mais bon, je l'ai mis sur papier aquarelle, donc maintenant je vais la peindre. Simplement, voilà, faut que je me motive pour m'y mettre. Mais maintenant que j'ai évacué ce qui me trottait le plus, les planches de stickers, les badges, les tote bags et tout, j'ai l'esprit plus tranquille pour m'attaquer à cette illustration. De toute façon, on n'est que le 18, hein, j'ai encore le temps d'ici la fin du mois. Surtout que, comme vous le savez, la fin du mois, là, pour le coup, elle tombe vraiment à la fin du mois. J'ai pas de mise à jour anticipée à faire ou quoi que ce soit. Donc voilà, bon, ça, c'est le travail artistique. Maintenant, les tote bags... j'ai commencé, sauf que comme vous l'avez compris, je n'ai plus de tote bag, donc maintenant j'en ai commandé et j'attends qu'ils arrivent. J'ai pris le risque de changer de marque, j'étais très satisfaite de la qualité de ceux que j'avais, mais ils font que des petits conditionnements, ce qui fait que le tote bag revient à peu près deux fois plus cher que ce que j'ai pris là à l'achat, et donc ça m'obligerait à les mettre beaucoup plus cher, j'exagère, à les mettre plus cher que ce que je voudrais si je prenais, continue à prendre cela, donc... J'essaie de toujours trouver un juste équilibre entre la qualité et ce que les gens peuvent vraiment se permettre d'acheter, parce que la plupart, on a tous des petits budgets, donc surtout quand c'est pour faire des cadeaux et tout, c'est quand même bien si tu ne tombes pas sur des produits à 50 euros, parce que tout le monde ne peut pas se les offrir. Bon, concrètement, un tote bag, ça ne coûte pas 50 euros, hein, mais c'est vrai que si vous allez sur Etsy, que vous regardez, on est sur des prix qui tournent en général autour des 15 euros. J'aimerais bien être un petit peu en dessous. Moi, j'étais plus partie sur 11-12 euros parce que concrètement, c'est le prix que moi, je suis prête à mettre pour ce type de produit. Pour un tote bag fait maison avec des illustrations dessus originales et tout, je ne mets pas 15 euros, je ne mets pas 25 euros. Donc voilà, j'essaie d'être toujours cohérente entre ce que moi, je suis prête à investir et le prix que je mets pour mes produits. Donc, j'ai pris un pack un peu plus important. Cela dit, les notes... Les avis étaient très positifs, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la qualité. Maintenant, j'attends que ça arrive et puis on verra bien. Là, pour ça, donc ça c'est pour les tote bags. Et je ne pense pas que vous verrez dans ce vlog-ci parce qu'il reste 2-3 jours de vlog à filmer et je ne les recevrai pas dans les 2-3 jours, je ne pense pas, puisqu'ils n'ont même pas été expédiés encore. Donc voilà. Maintenant, les badges. Ça, par contre, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je peux avancer. Et pareil, je vous avais dit que je voulais réfléchir à une façon de ne pas avoir à payer pour le packaging,
Vous voyez par exemple les marque-pages, je fais moi-même les backing cards, c'est-à-dire les cartes, le papier épais qui sert de support, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait réellement. Par contre, pour les badges, sachant que c'est quelque chose qui va de toute façon finir à la poubelle, puisque comme c'est troué pour qu'on puisse mettre les épingles des badges, c'est même pas comme si vous pouviez les réutiliser pour décorer ou quoi. Donc je trouvais ça dommage de devoir payer du papier et de l'encre que j'allais ensuite répercuter sur le prix. Si je peux l'éviter, si je peux trouver une autre façon de faire, il y a des fois on n'a pas le choix, hein. Mais là en l'occurrence, je vous ai parlé de tous les cardboards, c'est du papier un peu épais qui sert à l'origine pour le scrapbooking. Ça, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup d'action et j'en achète régulièrement parce qu'en fait, moi j'aime avoir les motifs, je m'en sers pour faire les fonds dans mes photographies, je m'en sers pour les photographies, c'est-à-dire quand je prends les produits en photo et tout, j'aime bien qu'il n'y ait pas juste un fond blanc, donc je m'en sers souvent pour faire ça. J'aime bien les scanner pour avoir des motifs. Et j'aime bien aussi simplement quand des fois j'ai envie de faire un motif sur un vêtement et que j'ai pas d'idée, hop, je sors mes trucs et je regarde. Il y a tellement de trucs différents qu'il y a moyen de trouver. Donc vraiment, j'aime bien les acheter, mais c'est vrai qu'après j'en fais plus rien. J'en fais plus rien. Et en plus, souvent dans les mêmes packs, il y a plusieurs fois les mêmes motifs. Donc bref, concrètement, avec une petite touche d'écologie et économisons. Eh ben, je me dis que j'avais réutilisé ça et ma foi, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Alors, je vous montre ce que ça donne. Là, concrètement, donc ça, c'est la forêt enchantée. Donc, vous voyez, derrière, c'est troué pour qu'on puisse mettre les épingles. Et voilà, ça serait ça la présentation. Je trouve que c'est propre, joli. Ça n'a pas besoin de plus. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le papier, il a des paillettes. Parce qu'en plus, souvent, chez Action, les papiers, ils ont du foil ou des paillettes. Pas tous, mais souvent, ils ont des petits effets et c'est vraiment très sympa. Donc les fonds changeront au fur et à mesure de mes stocks de papier. Et puis voilà ce que ça donne. J'ai quand même essayé de rester thématique. Donc là, j'ai pris un truc un petit peu vintage. Parce que c'est la forêt un peu magique, un peu période. Vous savez, tout ce qui est période drama, tout ça. On est plutôt dans cette ambiance-là. Là, c'est Ghibli. Donc là, j'ai plutôt pris des backing cards avec des ambiances forêt, nature. Et là, j'ai Zelda. Et ce papier-là aussi, il a des paillettes, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Enfin bref. Donc je trouve que c'est suffisant, qu'il n'y a pas besoin de plus. Et je me dis comme ça, je n'ai pas besoin de facturer quelque chose qui n'a aucune utilité. Et j'ai reçu les petites pochettes bulles dont je vous avais parlé. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. J'en suis très contente parce que c'est la taille parfaite. Et au début, j'avais prévu de mettre ça dans des pochettes plastiques. Et après, de mettre là-dedans. Mais je me dis, c'est idiot, c'est vraiment gaspiller du plastique. Alors là, je peux pas parler de coût, parce que le truc qui est diabolique avec le plastique, c'est que ça coûte vraiment rien du tout. En fait, ça coûte à ce point à rien que c'est quasiment impossible de répercuter les prix sur sur les produits, parce qu'on est de l'ordre de 0,04 centimes. Vous voyez, c'est très difficile de répercuter ce genre de choses sur un produit concrètement. Et du coup, c'est très tentant de s'en servir parce que ça fait toujours plus propre, plus pro. Mais bon, c'est pas très écolo. Donc là, je peux pas dire que c'est une question vraiment d'économie parce que ça changerait pas le prix du produit. Mais je me dis vraiment, d'un point de vue juste gaspillage de plastique, je peux l'éviter. Et ça va colle parfaitement là-dedans. C'est pour ça que je l'avais pris à l'origine. Donc je pense que ça se suffit. Hop, vous voyez, ça ferait quelque chose comme ça. C'est suffisant, je pense. L'important, c'est que ce soit protégé et qu'il y ait une présentation qui permette quand même de voir bien le produit. Et après, le reste, c'est facultatif. Et c'est même du gaspillage. Donc, on va se limiter. Et je suis très contente de ces petites pochettes-là. Donc, si ça vous intéresse, je les ai prises sur AliExpress. Vous tapez pochette papier bulle et vous trouvez ce genre de choses. Voilà pour les badges. Je suis vraiment très, très contente des badges et des tote bags. Et je pense. Les badges. Chaque fois que je les regarde, je trouve qu'on dirait des bonbons. Franchement, on dirait pas des grosses Smarties. On dirait, hein? Mais je crois que ce qui me plaît vraiment beaucoup avec les tote bags et les badges, c'est que c'est la première fois que je vois mes dessins sur un support autre que du papier. J'avais déjà des petits objets comme les marque-pages, mais c'est du papier. Et là, ça fait. Ouais, c'est un peu étrange de se dire que c'est mes dessins, mais ils sont sur un support complètement différent. Et en plus, que ce soit les badges ou les tote bags, c'est fait pour sortir avec vous. C'est fait pour vous accompagner dans votre quotidien. Et j'aime bien cette idée. J'aime bien déjà les badges. Alors, chacun fait l'utilisation qu'il veut, mais moi, je sais que j'en ai pas mal et que je l'ai. Surtout avant, quand j'allais en cours et que je sortais vraiment tous les jours pour aller travailler tout ça. J'aimais bien varier en fait sur mon sac.
et aussi des fois sur mes gros manteaux. Je variais un petit peu selon mon humeur, je changeais, j'en mettais 3-4 différents. Et ça, c'est ce qui est vraiment très cool avec les badges. Et les tote bags, concrètement, c'est un sac, hein, donc c'est super pratique. Et si en plus, ils peuvent être joliment décorés avec des trucs que vous aimez, Ghibli, Zelda, des dessins de la forêt, que sais-je, et ben c'est encore mieux. Donc je pense que c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup et qui me fait vraiment plaisir. Je suis contente de l'avoir enfin fait et d'être enfin passée à l'acte en faisant mes petits badges et les tote bags. Et j'espère du coup que ça va marcher parce que j'ai pas mal d'idées pour en faire d'autres. Et j'aimerais bien les concrétiser. Voilà. Sinon, on va se faire un petit point logistique, finance de la boutique, parce que les studios vlog, ça sert aussi à ça, hein. Il faut que vous voyez tous les aspects. Là, j'ai passé une très grosse commande sur Amazon. C'est clairement la plus grosse commande de ma vie que j'ai jamais passée, je crois. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas dépensé autant d'argent d'un coup. Franchement. J'ai demandé à payer en plusieurs fois parce que laisse tomber sinon. Clairement, le budget là, la trésorerie de la boutique ne me permettait pas de payer la commande. Mais c'est parce que aussi j'ai prévu, il y a des choses que je vais utiliser tout de suite et il y a des choses que j'ai prévues, notamment ce qui a coûté le plus cher, parce que de toute façon ça coûte une blinde, c'est le papier stickers. Donc j'ai pris le vinyle PPD brillant, celui qui coûte le plus cher, mais celui qui me plaît le plus au niveau des couleurs. Donc là j'ai pris un stock. J'ai pris un stock, je pense que j'en aurai pas besoin d'en racheter avant l'année prochaine. Bon, vous allez me dire l'année prochaine c'est dans 2 mois, donc c'est pas non plus... ça fait très loin de dire l'année prochaine alors que concrètement non. Mais voilà, j'ai mon stock tranquille, j'ai cette tranquillité d'esprit de me dire que je ne serai pas en galère pendant le mois de Noël, parce que c'est ce qui me fait un petit peu peur. Ça me fait d'autant plus peur que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, il y avait une énorme rupture de stock. Donc là, je me dis, pour peu qu'il y ait encore une histoire bizarre de confinement qui nous tombe sur le coin de la goule, je serai contente d'avoir fait mon petit stock. Pareil, j'ai repris du papier, le papier mat cette fois, de micro-application, qui d'ailleurs, étrangement, celui que j'ai reçu, je l'ai checké et on voit beaucoup moins les traces qui me gênaient. Bon, je cherche plus à comprendre. Du coup, je suis contente d'avoir fait là aussi un petit stock. Alors, j'en ai pris beaucoup moins, mais ça, c'est beaucoup plus facile à trouver. Donc, voilà, je m'inquiète pas trop parce que le papier micro-application, vous pouvez le trouver aussi bien sur Amazon que sur la Fnac, Darty, n'importe quel un peu magasin, vous le trouvez. Donc, je m'inquiète un petit peu moins pour les ruptures de stock. Et puis j'en utilise moins aussi, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est bon. Et je vous dis franchement, ça a été la majeure partie, puisque j'en ai eu pour quasiment 160€, je crois, quelque chose, juste de papier, stickers. Après, aussi, un truc que j'ai acheté en grand stock, parce que, encore une fois, les prix sont dégressifs, et ça fait beaucoup d'argent à avancer au début, mais après, au final, ça convient moins cher à l'unité. J'ai pris les enveloppes cartonnées. Je vous avais dit que je cherchais un moyen de pouvoir expédier mes objets, des objets comme ça, pour les cas où les gens vont prendre un pain à charge de produits. Donc ils vont prendre par exemple un tote bag, un lot de badges et des stickers. Il faut pouvoir protéger tout, il faut que ce soit rigide pour tout ce qui est papier, il faut qu'il y ait de plastique, mais du coup ça prend de l'épaisseur, etc. Donc j'avais repéré des enveloppes cartonnées qui en fait peuvent gagner un petit peu en épaisseur, un peu comme vous savez, des pochettes à rabat. Vous pouvez plier les coins pour que ce soit un petit peu plus épais, et ben ça existe en enveloppe. Évidemment, la veille du jour où j'ai passé les commandes, elles sont tombées en rupture de stock. Et elles ne seront pas restockées avant la fin du mois de novembre, et je ne peux pas attendre la fin du mois de novembre. Donc j'ai pris une autre option, ça a l'air de ressembler. On verra bien. J'espère qu'elles sont bien parce que j'ai pris le lot de 200. Donc si c'est 200 enveloppes pourries, mais bon, je ne pense pas. Ça a l'air d'être quelque chose que j'ai déjà utilisé auparavant, simplement je ne les avais pas achetées sur Amazon. Là, je les ai pris sur Amazon dans la foulée. Hein. Et j'ai repris donc les tote bags, le papier transfert. Donc ça, c'est pas, par contre, c'est pas du stock. Hein. C'est-à-dire que je vais m'en servir là. Et si ça marche, il faudra que je recommande. En espérant que j'aurai pas de mal à trouver. Mais je pense que ça devrait aller. Puisque je pense concrètement que c'est au mois de décembre que ça va se compliquer. Pas début novembre. Début novembre, on reste encore très, très avant Noël. Les gens ne sont pas encore en train d'acheter leurs cadeaux et tout. Donc ça devrait aller. Et j'ai repris... des cartes d'encre. Et j'ai pas pris du stock là, j'ai juste pris les 3 couleurs en XL parce que c'est toujours plus durable et plus économique, c'est-à-dire c'est encore une fois plus cher à l'achat, mais après ça vous dure plus longtemps qu'une cartouche normale. Normalement ça vous coûte à peu près un tiers plus cher qu'une cartouche normale, mais ça dure 2 fois plus longtemps.
Et c'est vrai que j'en avais acheté, je crois, au mois de juin. Et j'ai pas eu besoin de changer les cartouches jusqu'au mois de... début du mois. Par contre, là, elles sont déjà vides. Parce que c'était des cartouches normales. Donc là, je vois quand même qu'il y a une grosse différence. Donc j'ai pris des XL, mais je pense pas que ça me fera jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas, je vais voir, comme j'ai prévu qu'au mois de novembre, je vais faire beaucoup de stocks en prévision, c'est-à-dire que je vais réimprimer beaucoup de choses par anticipation, au lieu d'attendre que les ventes se fassent au fur et à mesure. Là, je vais imprimer un stock de planches de stickers Ghibli, un stock de planches de stickers Zelda, un stock de stickers pack de Zelda, parce que ces trucs-là, c'est le truc que je vends le plus, parce que je sais déjà que c'est ce que je vais vendre beaucoup au mois de décembre, donc je vais anticiper pour ça. Et je verrai combien de temps les cartouches d'encre mesurent. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, je vais faire avec celle-là et c'est déjà bien. Voilà. Concrètement, les choses qui vont me rester à acheter, ça va être les timbres. Alors, les timbres, c'est toujours très compliqué parce que tu peux jamais vraiment savoir à l'avance. Il n'y a pas de schéma, en fait, qui dit « Bon, bah là, je sais que pour telle partie du mois, il va falloir tant de timbres et tout. » Parce que, bien sûr... Ça dépend des ventes, mais c'est surtout différent d'un mois sur l'autre. Là, par exemple, j'ai voulu calquer mes achats de timbres sur le mois dernier et c'est pas bon parce que il me reste beaucoup plus de timbres français que de timbres internationaux. Donc, il va falloir que je rachète des timbres internationaux. Par contre, les timbres français, concrètement, là, je suis tranquille, je pense, pendant au moins 3 semaines. Vu l'allure des ventes, bah là, je sais pas, en ce moment, je vends beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et le mois dernier, c'était à l'inverse. Voilà, donc c'est toujours un petit peu chiant à anticiper. Et en plus, les frais de port, hein, la poste, franchement, ils abusent un petit peu parce qu'il n'y a pas de prix dégressif. C'est-à-dire que tu prennes 300 timbres ou que tu en prennes 10, c'est pareil. Les timbres te coûtent exactement la même chose. Bon, bref, c'est comme ça. Donc là, normalement, ce mois-ci, c'est la seule chose qui me reste concrètement à acheter. Ça va être des timbres. Le mois prochain, je pense que je devrais quand même acheter des enveloppes, mais des enveloppes normales, juste un peu jolies, quoi, pour pas prendre des enveloppes pourries de bureau. Et une fois que ça se sera fait, racheter des stickers de suivi par anticipation pour le mois de décembre. Mais normalement, ça devrait être à peu près tout. Voilà. Bon, bah allez, on continue notre petite semaine de travail.
Je vous remontre le croquis de base pour que vous vous souveniez d'où on est parti et ça aura donné au final ceci. Donc ça, c'est le croquis sur le papier aquarelle. Je l'ai fini, mais j'ai toujours pas la motivation pour le peindre, donc je pense que je vais simplement pas le peindre. J'ai vraiment pas envie de passer plusieurs jours à travailler sur quelque chose dont je sais très bien que ça va pas donner grand-chose. Au niveau des ventes, sachant que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Si j'avais que ça à faire, ce serait pas un problème, mais là, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées, et j'ai la flemme, du coup, de faire celui-ci. Donc, je vais le mettre de côté, puis je verrai si un jour j'ai le courage de le peindre, parce que là, c'est vraiment un grand dessin, on est sur quasiment du A3. Et c'est pas comme si je pouvais boucler ça en une après-midi, c'est plusieurs jours de travail, et j'ai pas envie. Donc voilà, par contre... J'étais en train de chercher ce que j'allais faire comme nouvelle illustration freebie de ce mois-ci. Tous les mois, je fais un sticker et une illustration que je mets après en cadeau dans les commandes. Alors, c'est soit le sticker, soit le print, soit les deux. Ça dépend du montant de la commande. Et donc, j'étais en train de réfléchir à ça et j'ai sorti mes bouts de carton. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une feuille, une grande feuille, une feuille entière de arche 600 grammes. Que j'avais découpé en plein de petits morceaux. Et du coup, là, je les ai ressortis et j'ai fait plein de petits croquis. Et ça tombe bien parce qu'en fait, je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse des dessins pour les mystery bags. Et du coup, je pense que je vais les peindre. Je les mettrai en cadeau dans les mystery bags, mais ceux que j'aime le plus... Je les scannerai et j'en ferai des freebies pour les prochains mois, pour mettre dans les commandes. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait à l'origine, c'est mon préféré, c'est une fée. Bon, pour l'instant, ça est à l'état de croquis un peu brut, mais je vais cliner tout ça. Et je vais les peindre. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est sur du papier vraiment très épais, je vais pouvoir m'appliquer un peu plus que pour les précédents en mystery bag. Parce que là, déjà, c'est du 100% coton et c'est du 600 grammes. C'est-à-dire c'est le double du papier aquarelle normal, c'est le double de ce papier-là. Donc, je pense que je vais pouvoir me lâcher un petit peu. Voilà le programme pour tout ce qui est peinture pour les prochaines semaines. J'ai reçu une bonne partie des produits Amazon. Alors, il manque encore un colis, mais de toute façon, j'ai pas très bien compris parce qu'ils m'ont envoyé 4 colis différents au lieu de mettre tout dans la même commande. Mais bref, c'est pas grave. Quand je dis 4 colis différents, il y avait un colis avec juste une troupe de cartouches dedans, alors que tout est expédié par Amazon. C'est pas comme si ça venait de vendeurs différents, mais bref, c'est pas grave. Donc j'ai reçu mes 3 cartouches d'encre et heureusement parce que j'ai plus d'encre. Ensuite j'ai reçu le papier transfert, les ramettes de papier sticker. Donc il y a 40 feuilles dans chaque paquet. Et j'ai reçu les sacs. En fait là concrètement la seule chose qui manque ce sont les enveloppes. Mais ça a priori ils n'ont pas encore expédié le colis. Alors les sacs ça va au niveau de la qualité, ils sont plus fins que les autres, mais en fait, ça ressemble vraiment à du tissu, alors que les autres, c'est beaucoup plus épais, ça ressemble presque à de la toile, tellement c'est épais. En plus, comme c'est à chaque fois du 100% coton, ça a vraiment un côté très, très rigide. Et bon, voilà, donc ça me dérange pas qu'ils soient un petit peu plus fins. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'ils n'ont pas l'étiquette à l'intérieur qui donne les instructions de lavage et d'entretien, et ça, c'est un peu dommage. Sur les autres, bon, même si les étiquettes, c'est toujours un petit peu disgracieux et c'est un petit peu chiant, c'est quand même bien de savoir que, par exemple, ces sacs-là, il faut surtout pas les mettre à la machine. Il faut pas les laver à chaud, il faut les laver à la main si vraiment c'est nécessaire et évidemment sur le côté qui sera pas imprimé, etc., etc. Donc, il va falloir que je fasse peut-être des petites étiquettes. Bon, mais à part ça, ça va, la taille est bien, la qualité est correcte. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les coutures, mais elles ont l'air vraiment solides, donc ça va, c'est cool. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tote bags. Hein. Et bien voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de ce vlog.
Je pense qu'on a eu une semaine bien mouvementée et bien productive parce que du coup, ça a été assez varié. Il y a eu les badges, il y a eu les tote bags, il y a eu les planches de stickers. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de briser un petit peu le côté répétitif de mes journées. Et j'espère que pour vous, c'était intéressant. Je suis assez contente de tout ça. Et avant de finir ce vlog, parce que du coup, la semaine prochaine, ce sera un speed painting, donc on ne sera pas en face cam et on se voit que début novembre. Eh ben, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de ma réflexion et vous expliquer un petit peu ce à quoi j'ai cogité ces derniers jours. Déjà, donc, au niveau des produits, j'ai tout fini. Et il reste encore une semaine avant la fin du mois d'octobre. Donc je pense qu'au niveau timing, on est top. Par contre, au niveau stock, beaucoup moins. Parce que là, clairement, je vais consacrer les prochains jours, donc la fin de ma semaine d'octobre, à faire des stocks. Il faut que je fasse des stocks de planches de stickers. Parce que maintenant que j'ai reçu le papier et l'encre, je suis un petit peu moins flippée de gaspiller ce qui me restait. Donc je vais pouvoir faire tout ça. Il faut que je fasse les tote bags. C'est trop long. Et les marque-pages. Mais d'ailleurs, les marque-pages, en fait, je crois que c'est même... Allez, je peux pas dire que c'est pire que les tote bags, mais c'est au moins aussi chiant. Parce qu'il y a plein d'étapes différentes et qu'en plus, avec les marque-pages, il y a souvent des ratés. Du coup... Voilà, tout ça c'est à faire et vu que ça prend à chaque fois pas mal de temps, je pense que ça va m'occuper pendant quelques jours. Concrètement, les seules choses qui me restent à faire là, c'est les freebies, c'est-à-dire le sticker et l'illustration qui seront en cadeau pour les prochaines commandes. Il faut que je filme le speed painting pour la semaine prochaine, ça je ne l'ai pas encore fait et je ne vous montre pas ce que ce sera parce que surprise. Et aussi parce que je n'ai pas trop décidé encore. Je voulais vous parler des Oopsie Packs. Alors... Les Oopsie Packs, là, je suis en rupture de stock, je les ai tous vendus. Gros carton, franchement, je suis épatée. Comme quoi, mais les gens, ils aiment bien quand même quand c'est une bonne affaire. Parce que je pense que ce qui a fait le succès du Oopsie Pack, c'est que pour vraiment pas cher, t'avais beaucoup, beaucoup de produits. Et en plus, la plupart, c'était des produits qui étaient quasiment nickel. Donc, effectivement, c'était assez malin. Bravo à ceux qui ont passé commande. Ce qu'il y a, c'est que là, je suis arrivée à court des Oopsie Packs que je pouvais vendre tels que je les ai montrés, c'est-à-dire avec plein de stickers dedans. Il ne me reste que des grosses planches. Grosses planches. Et des marque-pages, et tout ça, ça pèse un petit peu lourd, ce qui fait que là, je pense que quand je vais remettre des Oopsie Packs, déjà, il y en aura beaucoup moins. Je dois avoir de quoi faire 3-4 grand max. Et je les mettrai 1€ plus cher parce que maintenant, ils vont me coûter 2 timbres à envoyer. Simplement parce que bah, ce que je mets dedans, c'est beaucoup plus volumineux, entre guillemets. Parce qu'évidemment, une planche de stickers entière, ça pèse beaucoup plus lourd que des petits stickers individuels. Donc, parce qu'il y a beaucoup plus de stickers dessus aussi. Bon, bref, vous avez compris. Et puis les marque-pages, le papier magnétique, ça pèse hyper lourd. Donc jusqu'ici, je pouvais faire l'équilibre parce que j'avais plein de petits stickers individuels, mais ça, j'en ai quasiment plus. Donc voilà, il va falloir que je compose avec... des planches beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes, et du coup ça me coûte 2 fois plus cher en fait en frais de port, donc voilà, je vais augmenter de 1€, simplement, donc au lieu d'être à 5€, ils seront à 6€, mais ils auront toujours une valeur marchande de 15€, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour les Oopsie Packs. Ensuite, j'ai eu une réflexion assez importante sur les badges, parce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à prendre les photos là, pour la mise à jour, et j'ai un drôle de contraste entre les tote bags et les badges dans le sens où... alors là, c'est un contraste purement artistique, hein, rien à voir avec le produit en lui-même. Mais les tote bags, en fait, comme c'est mes plus grands designs, jusqu'ici, ce que j'avais de plus grand, c'était mes prints, et c'est un format A5. Et les tote bags, c'est mes dessins en format A4. C'est genre la taille réelle, entre guillemets. Et bien, je trouve qu'on peut vraiment, vraiment apprécier le travail à l'aquarelle. On voit vraiment le côté traditionnel... On voit un peu la peinture qui s'éparpille et tout. Je dis pas qu'on le voit pas sur les prints ou sur les stickers, mais c'est pas pareil. Plus c'est grand et plus on peut vraiment voir. De toute façon, j'imagine que c'est comme ça pour tout, hein. C'est pareil, si je faisais un format raisin, on verrait beaucoup plus les petits détails que si tu fais un tout petit truc. Mais pour le coup, ça a toute sa valeur, ça prend tout son intérêt avec les tote bags puisque c'est des grands designs. Autant avec les badges, il se passe un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que à un moment, je les ai regardés et je me suis dit, mais on dirait presque que je les ai pas vraiment fait au traditionnel. Je sais pas comment dire. Je crois que si je disais à quelqu'un, mais quelle technique j'ai utilisée, il serait un peu confus. Parce que comme c'est tout petit,
eh ben, on ne voit pas tout ce, cette nuance d'aquarelle, de travail vraiment traditionnel. Je trouve ça un petit peu dommage, et c'est d'autant plus dommage que ça me demande quand même un travail colossal de travail au traditionnel, dans le sens où il faut faire tes dessins, il faut les, déjà il faut les faire au traditionnel, il faut les scanner, et là déjà ça se complique parce que les couleurs, vous le savez, elles sont très ternies et elles disparaissent en grande partie, ce qui déjà est très frustrant. Et alors en plus, quand c'est réimprimé derrière, ça devient vraiment compliqué. Et quand c'est moi qui maîtrise, je peux faire des ajustements immédiatement, c'est-à-dire que j'imprime mon truc, et je vois tout de suite qu'est-ce que je dois corriger. Autant quand je le fais imprimer, comme là les badges, c'était fait imprimer par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant, du coup je pense que je vais refaire les designs, mais à l'ordi. Parce que oui, ça m'arrive de travailler à l'ordi, je le fais pas très souvent parce que j'ai les yeux qui fatiguent très vite. Mais là c'est des tout petits designs, et franchement j'ai déjà refait les designs de la forêt enchantée. Et ça m'a pris genre 1h30 à tout péter, donc, juste pour faire un design, donc je fais un par jour. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai refait tous les designs. Et je pense que ça ressort un petit peu mieux. Et en tout cas, je m'inquiète un peu moins au niveau des couleurs. Parce que je sais que tel que je les imprime, je fais un essai en les imprimant. Et je sais que ça va être la même chose que quand ça va être imprimé par la société, le prestataire. Donc ça me rassure un petit peu. Puisque si je dois faire des modifications, c'est aussi beaucoup plus simple. Alors que quand tu travailles au traditionnel, si tu dois faire des modifications, à part refaire ton dessin, c'est pas évident. Du coup, les badges là, tels que je les ai faits, ce sera une édition unique. Enfin, je ne vais pas les refaire. Ce sera les seuls qui seront faits avec le travail à l'aquarelle de base. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je le prévois. Et aussi, mon côté monomaniaque n'aime pas trop que le pack de Ghibli soit le seul avec 4 badges. Du coup, là, je vais vendre cela. Et quand j'aurai fini ce stock, je ferai des lots de 3. Parce que comme ça, ce sera que des lots de 3. 3 pour la forêt enchantée, 3 pour Ghibli et 3 pour Zelda. Voilà, donc ça aussi ce sera une modification. Maintenant, ce que j'ai prévu pour novembre, et je vous en parle maintenant parce que comme ça vous pourrez me donner votre avis. Vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré, déjà depuis très longtemps, hein, ça a commencé il y a quelques mois déjà quand j'ai commencé à faire plein de produits Zelda, plein de produits Sailor Moon et tout. Et ça s'est reconfirmé là quand j'ai commencé à faire les Ghibli. Vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré de faire des lots thématiques. Vous savez, il y a des bundles. Je ne sais pas si ça se traduit vraiment par lot, mais je pense que oui, c'est le mot français. Bref, un ensemble de produits sur le même thème. Donc, par exemple, prendre tous les produits que j'ai de Ghibli. En l'occurrence, là, j'ai 6 planches de stickers, les badges et le tote bag. Et proposer aux gens d'acheter la totale, mais à prix évidemment réduit par rapport à s'ils avaient acheté les produits à l'unité. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire genre... soit t'achètes les planches de stickers individuellement, soit tu prends les 6 d'un coup et tu t'as un prix réduit. Tu prends les planches de stickers plus les badges, encore un prix un petit peu réduit. Les stickers, les badges plus le tote bag, encore un prix dégressif. Vous voyez, l'idée ce serait qu'à la fin on arrive sur des réductions assez conséquentes, genre 20%, quelque chose comme ça. C'est d'autant plus faisable que sur chaque produit, je répercute une petite partie. Pas tout parce que ce serait beaucoup trop élevé, mais une petite partie des frais de port. Donc si je retire ça, puisque si vous prenez un lot, vous payez les frais de port qu'une fois, donc si je retire ça et que j'ai juste de quoi payer une fois les frais de port, il y a moyen de retirer toujours quelques centimes, 25 centimes par-ci, 40 centimes par-là, donc ça peut être pas mal. Zelda, ce serait pareil, donc Zelda, il y aurait les packs de stickers, la planche de stickers, le marque-page, les badges et le tote bag. Et du coup, mon plan pour novembre, ce serait de réussir à faire la même chose pour Sailor Moon. Donc il faudrait que je fasse les badges, le tote bag et tout ça et tout ça. Et j'aimerais bien faire 2 bundles qui seraient mes designs originaux. Et comme thème, j'aimerais bien finir d'exploiter le thème du tigre. Puisque ça, c'est un truc que j'ai pas mal fait qui continue de bien fonctionner. Donc j'ai déjà le sticker paillette, les prints, j'en ai 2. J'ai le print avec les nus, et puis j'ai le print, le tout premier que j'avais fait avec la fille dans l'eau. Et je pense que si je fais les badges, comme j'avais déjà en tête, je crois que je vous l'ai évoqué, quand j'ai reçu les badges, j'en ai parlé, je voulais faire des badges avec des petites têtes de tigre. Et un tote bag, franchement ça peut le faire. Et en deuxième thème, j'aimerais bien continuer d'exploiter le thème de la forêt enchantée, puisque c'est complètement mon univers. Donc j'ai fait les badges, et j'ai le print dont je vous avais parlé, le truc qui ressemble à une planche botanique avec plein de petits designs. Ça j'aimerais bien le faire.
Et donc, du coup, il y aurait un print, et donc il y aurait aussi un tote bag. Et j'ai déjà fait un dessin d'une fée un petit peu mignonne, rigolote, que j'aimerais bien faire par Sticker Up, parce que j'aimerais bien lui mettre un effet holographique sur les ailes. Et du coup, ce serait ça le bundle. Voilà, ça c'est mon plan pour novembre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée? Donc ça serait fait en novembre pour la mise à jour de décembre. Comme idée cadeau, quoi, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'après je les retirerai, mais simplement ce serait. Je pense que le proposer en décembre, ça peut être une bonne idée. Voilà. S'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas. Moi, je parle là-dessus parce que c'est des choses qui ne me demandent pas des gros investissements. Mais si je vois que ça plaît pas mal, j'aimerais assez, à partir de l'année prochaine, commencer à faire des choses telles que des acrylic charms, des enamel pins, ce genre de choses. Je pense que ça peut être vraiment très cool. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, j'allais dire une bonne semaine, mais pour vous, ça n'a pas été une semaine, hein. Une bonne vidéo en ma compagnie. J'espère que ce que vous avez vu vous a distrait et vous a intéressé et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions si vous en avez. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour un speed painting pendant lequel je vous présenterai les nouveaux produits. Et on se voit en vlog dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Bye!